Alors, le point de départ du livre, ça a été un billet que j'ai publié sur mon blog en juin 2017, qui n'était pas tellement prémédité. C'est quelque chose qui est sorti d'un coup. C'était une nécessité. C'était le moment de parler de ce sujet qui est très compliqué à dire simplement, mais qui est le fait d'être une personne qui ne fonctionne pas en couple, pas par refus, mais parce qu'il y a une sorte de pulsion qui pousse les autres vers le couple et que je n'ai pas et que je n'arrive même pas à comprendre. Et toute ma vie, ça m'a compliqué les choses, pas parce que j'avais un manque, mais parce que les autres pensaient que j'avais un problème et on finit par m'en convaincre et on finit par se nier soi-même et ça devient extrêmement douloureux. Et il est arrivé un jour où je me suis rendu compte qu'à la fois, moi, j'étais prête à en parler, c'était de garder le secret sur ça, c'était trop lourd, et que je commençais à me rendre compte qu'il y avait d'autres personnes comme moi, et que moi, ayant été blessée par le fait de ne jamais lire sur le sujet, de ne même pas savoir qu'il existait, peut-être que c'était intéressant de commencer à écrire dessus et de voir ce qui se passait, peut-être toucher d'autres personnes. Et le billet a connu un retentissement qui m'a vraiment étonnée, c'est à la fois comment les gens ont réagi à ce que je disais sur moi, mais ce que les gens sont venus me dire derrière de ce que ça avait touché pour eux. Et il y a une frustration derrière, un billet c'était pas assez, il a fallu que ça devienne un livre et il s'est écrit tout seul pratiquement dans la foulée, peut-être 2-3 semaines après. En fait, un des points de départ qui ont été le déclencheur du billet de blog, c'était une discussion qui a porté sur les étiquettes et les gens qui disaient « bon, maintenant on invente des étiquettes pour tout et n'importe quoi, c'est n'importe quoi, pourquoi les gens veulent s'enfermer là-dedans » Et un jour j'ai réagi à une discussion là-dessus en disant « mais vous comprenez pas la problématique derrière, une étiquette c'est pas s'enfermer dans quelque chose, c'est dire simplement « le cas de figure qui me correspond et qui n'est pas tel qu'on m'a dit que les choses fonctionnaient, c'est s'il existe un nom, c'est que ça existe, c'est qu'il y a d'autres personnes, c'est que c'est quelque chose qui est reconnu, c'est que ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une identité. » Et ça, c'est une distinction qui m'a semblé extrêmement importante et que pendant très longtemps, je n'ai pas compris non plus parce que je pensais que ce sujet ne me concernait pas. Alors, le texte a été terminé un an avant sa parution et étant donné qu'il a été écrit vraiment au moment où j'étais au cœur des événements en train de les vivre et c'était tout neuf pour moi, ça a généré beaucoup de choses derrière. Il y a eu des changements dans ma vie, il y a eu des réflexions, des discussions avec des gens et j'ai continué en fait, j'ai fixé le texte à un moment, mais pour moi, l'histoire a continué derrière. C'est d'ailleurs la première phrase du post-scriptum, l'histoire s'est poursuivie ensuite. Et je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de sujets que j'avais envie de traiter, mais que je ne pouvais pas, en retravaillant le texte, intégrer, parce que ce texte, c'est vraiment une continuité. On va d'un point A à un point B, avec toutes les étapes du cheminement. Et ça, ce sont des réflexions après. Et j'avais aussi besoin de parler de l'étape du coming out, parce que j'en avais une image de quelque chose d'un peu figé, un avant-après, qui est très ponctuel. Et en fait, c'est une transformation progressive qui chamboule complètement et qui est assez douloureuse à vivre. En fait, je pensais pas, il y a un soulagement, il y a une libération. Mais il y a une espèce de métamorphose, on ne sait plus bien qui on est, on ne sait plus bien qui on est pour les autres. Il faut quelques mois pour se réajuster. Et je me suis aperçue que des gens qui avaient connu un coming out plus classique étaient littéralement passés par là. Et pareil, je n'avais jamais lu sur le sujet. Donc je me suis dit, c'est intéressant, toutes ces choses qui n'ont pas pu s'intégrer dans le livre, ce serait intéressant de faire une sorte de une page supplémentaire de journal intime en disant, il y a tout ça aussi que je n'ai pas pu dire, mais qui me semble pertinent. Mais je dirais qu'il y a deux démarches derrière ce livre. Il y en a une qui est vraiment plus personnelle, c'est le besoin d'écrire sur les choses et le besoin d'expliquer aux autres à la fois comment je fonctionne et comment je vois les choses et tout ce qui n'avait pas été dit pendant des années, il fallait que ça sorte. Et en même temps, je me suis rendu compte au moment de la publication de mon billet de blog que je parlais pour d'autres personnes. Soit des personnes qui étaient très exactement dans mon cas de figure ou beaucoup de personnes qui étaient en dehors de la norme à des degrés très divers et des fois pour des raisons vraiment très très éloignées. Mais que j'avais dit quelque chose sur l'expérience d'étrangeté, je dirais. Qu'est-ce que c'est de se construire quand on n'est pas... Quand on nous dit les choses fonctionnent de telle manière, le monde est comme ça, et nous, on sent intimement que ce n'est pas comme ça pour nous. Mais étant donné qu'on nous dit le contraire, on ne sait pas trop si on doit faire confiance à ce qui nous est dit ou à ce qu'on ressent. Et il y a vraiment un tiraillement très fort, c'est quelque chose de très, très étrange, en fait. Une partie du texte parle d'écriture, et notamment, je reviens sur certains de mes textes, pour expliquer... Moi, j'ai toujours eu cette envie d'écrire les textes les plus sincères possibles et que ça parle d'émotions qui étaient vraies. Et c'est très compliqué de faire ça quand, en même temps, on se cache sur des choses et qu'on essaie de s'obliger. Moi, je m'obligeais à mettre des personnages en couple. Et parfois, ça se voyait que je ne comprenais pas. Il y avait des décalages ou des choses un peu étranges. Et du coup, j'ai un peu développé ça pour essayer d'expliquer ce que ça induit dans le rapport à l'écriture. Et moi, l'écriture, depuis que je suis petite, je pense que, peut-être parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas comment exprimer les choses, j'ai eu besoin de passer par des biais, que ce soit le dessin plus jeune, l'écriture, de tâtonner, de chercher comment faire passer des choses avec lesquelles moi-même je me bagarrais. Donc c'est un outil extrêmement puissant pour moi. Et je pense que c'est pour ça que très naturellement, le moment où j'ai eu besoin de me dévoiler et de prendre la parole aussi pour d'autres personnes, ça s'est fait par l'écriture. Pour moi, c'était vraiment la seule manière possible. Et c'est le seul outil que je maîtrise assez.
et parce qu'aussi c'était une problématique autour des mots. Mais je pense que c'est le seul endroit où je me sens à l'aise et où je me sens très sûre de moi, je dirais. J'avais un calme en écrivant que je n'avais pas ensuite quand j'en parlais avec les gens. Face à l'écran, tout est calme, tout est clair. Je sais, je vais vous raconter une histoire, même si elle est un peu personnelle, je sais comment ça marche. Et du coup, ça a été un outil qui m'a permis de canaliser ce dévoilement en lui donnant une forme. On m'a dit que mon livre a la même forme qu'une fiction, avec un début, une progression, une fin. Je pense que j'ai utilisé des outils pour donner une forme relativement simple à quelque chose qui n'était pas. C'est assez troublant maintenant de me repencher sur mes anciens textes, mais de la même manière que je pense quand on se repenche sur la personne qu'on était 20 ans plus tôt et on sait beaucoup de choses qu'on ne savait pas 20 ans plus tôt. C'est assez troublant et parfois un peu dérangeant, c'est que le thème, et ça m'a été dit par d'autres personnes, notamment Léo Henry qui fait la postface de ce livre, pratiquement une des premières choses qu'il m'a dites, c'est « tu viens de donner la clé de ton écriture ». Tout ça, c'était déjà là. Tout ce que tu as fait, pratiquement, ne parlait que de ça. Quand le billet de blog est sorti, il y a une chose qui m'a surprise, c'est le nombre de retours que j'ai eu de personnes qui me faisaient des confidences, parfois des personnes que je connaissais d'ailleurs, et ils m'ont parlé de sujets qu'on n'avait jamais abordés. Et je me suis rendu compte que quand on met des mots sur quelque chose, les gens ensuite viennent vers nous pour en parler. Alors des fois, c'est extrêmement touchant et des fois, ça ouvre sur des échanges et quelque part, on avance ensemble. Il y a des situations où c'est un petit peu plus... Il y en a eu très peu, mais des moments où je sens que des gens sont en attente et quelque part, ils me jettent cette histoire devant moi. Et je ne sais pas encore toujours comment réagir, mais principalement, ça a été beaucoup d'échanges. Et particulièrement là, aux Utopiales, j'y suis depuis 3 jours et beaucoup d'échanges tournent autour de ça. Il y a une table ronde qui a beaucoup parlé de ça notamment et... Ce que les gens viennent me dire, c'est assez... Il y a des gens qui ont lu le livre, qui viennent m'en parler et qui me remercient d'avoir mis des mots sur des choses. Et des gens qui m'ont entendu en parler et qui viennent me dire mais merci parce qu'il n'y avait pas de mots sur ça ou en tout cas, je ne savais pas qu'il y en avait. On ressent collectivement l'importance de... Voilà, on va poser les choses. Quelque part, on avance ensemble. Et c'est... J'ai pas encore assez de recul. C'est vraiment quelque chose de très récent. Mais c'est assez émouvant de me dire que sans être dans une démarche, comme je disais, j'arrive, je change le monde, etc., j'ai l'impression que peut-être, dans l'absolu, je fais quelque chose d'important pour d'autres personnes aussi. Et je me suis aperçue que j'ai l'impression, par moment, dans certaines circonstances, que je porte cette parole pour d'autres et je ressens une responsabilité. C'est pas non plus, comme je disais, c'est pas un rôle non plus écrasant, mais c'est quelque chose dont j'ai conscience. Oui. Donc le livre est paru chez Dystopia, qui est une petite maison d'édition qui existe depuis combien d'années, je ne sais plus, mais en fait, je les connais, toutes les personnes de Dystopia, je les connais depuis très très longtemps, on est dans le milieu depuis à peu près en même temps, et on avait déjà travaillé ensemble sur un livre qui était plutôt une traduction, et ce sont des gens à qui vraiment je suis en confiance, et ils ont une démarche de... Ils ont vraiment littéralement une démarche hors norme, dans le sens où ils cherchent les projets qui ne trouvent pas leur place ailleurs, et ils aiment proposer des voix d'auteurs, ils aiment suivre les auteurs, ils veulent vraiment proposer des choses qui soient uniques, et j'avais pas du tout pensé à eux au départ. Moi, je pensais plus aller vers des éditeurs hors genre qui publiaient des essais, des choses comme ça. Et en partie parce que le livre parlait d'écriture et qu'il était assez personnel et qu'il était lié à mes autres livres, c'était compliqué. Et je l'ai fait lire à Dystopia presque plus pour dire à tout hasard, si je ne trouve pas ailleurs, ça vous intéresse. Et leur retour a été immédiat de dire ce texte, il nous a parlé en profondeur et vraiment, si tu es d'accord, nous, on le veut. On a une idée de comment on va essayer de le placer. On n'a jamais fait ça, mais on a envie de le tenter. Et il y avait l'idée qu'on y allait ensemble et qu'on allait tenter... Ça, c'est vraiment un cadeau qu'ils m'ont fait, c'est ne pas tenter de faire rentrer ce livre dans une catégorie préétablie, dans un schéma. On va essayer de s'adapter et on va essayer de voir comment on peut pousser ce livre particulier, comment on peut lui trouver son public particulier. Et on a trouvé que c'était très cohérent avec le sujet, finalement. Et on est vraiment dans une relation de confiance. Je sais que... En plus, c'était important, ils vont jamais me demander de faire des choses avec lesquelles je ne sois pas à l'aise. Il y avait ça, en plus. Et en plus, la façon dont on a travaillé sur le texte, on était en famille, en fait. Il n'y a pas d'autre mot.